Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une ouverture de colis qui vient de Célia M. Donc, je vous montre le colis. Donc, je l'ai ouvert. Il est énorme. Donc, il y a plusieurs choses dans ce colis. Il y a. Alors ça, faut pas que je l'ouvre. Ouvrir le 1er novembre, merci. Cadeau d'anniversaire, on avance. C'est pas loin, hein, c'est la semaine prochaine. Ça. Oh, d'accord. J'ai vu anniversaire, donc je vous montre pas. Et j'ai un cascadeur. Cooper. Qui me fait tout tomber. Ensuite, nous avons. Ça, c'est pour le défi du mois de novembre. Ah, elle m'a mis des serviettes Halloween. Elles sont canon. J'adore. Alors, je l'ouvre. Ouais, c'est pareil des deux côtés. Alors, il y a un côté, c'est ça. En espagnol, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ça, et là, le côté, c'est trop canon. Ok, on a mis un paquet. Ensuite, il y a plein. Quand je disais, il y a plusieurs. Il y a le défi du mois de novembre, le cadeau d'anniversaire. Monsieur Cooper, il y a le swap d'épée et il y a des créations, mais alors je sais pas ce que c'est. Il y a plein de boîtes, il n'y a pas marqué ce que c'est. Donc on va déjà ouvrir celui-là. Alors. Je me demande si c'est pas un truc de qu'elle a fait 4. Ça me dit quelque chose. Je l'ai vu quelque part ce projet. Excusez-moi. Hey, Cooper. C'est mon écharpe. J'ai un cascadeur, je ne vous raconte pas. Il est en train de me démonter la baraque. Ouais, c'est mon écharpe. Cooper, t'as tes jouets là. Cooper, viens là. Voilà. T'as tes jouets là. Donc, excusez-moi. Alors, c'est un mini album, ben voilà, ça se prend comme ceci. J'ai vu ça quelque part, je sais plus. Alors, je vous montre la couverture déjà. Donc, c'est cool, j'adore ce papy. J'adore ta découpe là. Tu dois avoir une perfo ou quelque chose. Et elle a ancré tous les bords. Ensuite, on ouvre. Donc, il y a plein de pochettes. Hop. Elle a ancré pareil tous les bords. Derrière, c'est comme ça. Hein? À côté, on a d'autres tags. Il se ferme. On a celui-là. Donc elle l'a fait vintage, un peu shabby. Et celui-là. Ils sont recto verso. C'est super. Faudrait que tu me dises où tu as trouvé celui-là parce que ça me dit quelque chose. Alors ensuite,
on a ce côté-là. Et derrière, attends que je vois comment on ouvre. Là, on a encore un tag. Super. Dis quelque chose. Faut que tu me dises l'album, ça me dit quelque chose. Ici, on a une autre pochette. Il a fait l'ouverture avec une perfo. On a celui-là. C'est super. Franchement, Célia, tu t'es éclatée, je pense à le faire. Et alors, attendez. Hop. On a. Pas sur mon bon sens. Donc, on a celui-là. Là, on a encore un tag. Ici. Attends, je sais pas quel sens ça s'ouvre. Je crois qu'il est collé. Tu me diras s'il est collé ou s'il s'enlève. Il a l'air d'être collé. Je vais pas trop tirer dessus. Franchement, c'est super. J'adore. Il est super. Merci beaucoup à toi, Célia. Donc, j'arrive à le refermer. Voilà. Super. Et encore une. En tout cas, bravo à toi. Ensuite, on va ouvrir le défi. Donc, je vous rappelle le défi. C'était un jeu de 7 familles. Sika, faire un jeu de cette famille. Donc là, elle m'a fait la famille Reine Majestueux. J'adore ces. Je crois que j'en ai les petits comme ça. Donc elle a fait la boîte carrément. À souffler. Hop, on ouvre avec un scratch. Et on a les 7 cartes. Alors. Je ne sais pas si elles sont dans l'ordre. Attends, je les sors. Alors, à la base, il fallait prendre un jeu de cartes classique et le customisé. Donc, à rien, je vais juste demander que ce soit tous des papiers pareils. Alors, ici, nous avons, peu importe après, le grand-père, Reine Majestueux. Avec les. Ils sont beaux avec les paillettes. On a la grand-mère. La mer, il est infernal. J'adore les petits étoiles comme ça, ce qu'on est. On a le père. Je sais pas où t'as trouvé ces. On a la fille. Papiers, ils sont magnifiques. Et nous avons le fils. Franchement, bravo à toi, Célia. Tu as super gazé. Et en plus, la boîte. Ça, c'est canon. La boîte qui va avec. Bravo à toi, Célia. Et bravo pour la bonne chance pardon, pour le résultat à la fin du mois. Chez moi, je reviens.
dégage. Non. Excusez-moi, Monsieur Cooker fait des bêtises, pas les polis. Grosse bêtise. Alors, la famille reine m'a dit tu. Bravo à toi, Célia. Donc ensuite, il y a des boîtes. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. On a une boîte comme ceci. Alors, bien scotché. Ah, ça aurait fait un coupeur, ça. Il adore les trucs à l'aiguille. Alors, désolé, il y a un peu de temps, mais il a scotché. Non, attendez, je crois que c'est... D'accord, attendez. Donc ça, c'est le défi. Pas de défi. Ah, c'est pas possible. Je rêve de jouer. J'allais prendre mon Micha. Donc il y a le swap des. Qui est avec. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle m'a dit qu'il y avait un truc au 1er décembre. Et je ne sais pas lequel c'est. Tu arrêtes ou pas? Si je sais pas, c'est celui-là. Oh, et t'as fini ton bordel? Ah, c'est possible. Alors. Je sais pas. D'accord, donc c'est le swap d'épée, là, que je suis en train d'ouvrir. Dans la boîte, il y a un câble. Ah, d'accord. Ça, c'est cool. C'est un crayon qui s'allume. Oui, hop. Pour faire le DP. Ça, ça doit être pour le charger. Et il y a plusieurs embouts. Voilà. Et là, franchement, il est canon. J'adore la couleur. Et les coupeurs, ça finit là. Merci à toi, Célia. Hop. Voilà, le premier. Donc, on avait prévu 10 produits. Je reviens. T'arrêtes tes bêtises, là. Non, mais... Ensuite, on a un deuxième. Oula. Wow. Alors là, ce sont des marque-pages. Enfin, je pense que c'est une marque-page. Et là, on a un carré pour
Donc là, vous avez le nombre de couleurs. Et les diamants. Waouh! Je ne sais pas avec quoi il faut les poser. C'est des mini, 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 mini. J'ai jamais eu ça. Waouh! Alors là, les marque-pages comme ça. Enfin, moi, j'ai ça, les marque-pages. Ils sont trop canons. Je reviens. Cours pas. Tu fais quoi là? Je vais te mettre une muselière. Hein. Allez! Désolée, mais avec lui, c'est façon. Bon, merci beaucoup, Sylvia. Par contre, tu me diras avec quoi on lui pose, parce que le stylet va être trop grand. En tout cas, et là, il y a la boîte. Ah, avec le... Il y en a d'autres. En blanc. Ouais. Il est grand, je sais pas si ça va être. Faudra que j'essaye. Donc, on met tout ça. Merci beaucoup, Célia. Ensuite, nous avons celui-là. Alors, vache, là il y en a de la colle en bleu, en rose, encore du rose. Là, on a des pots. Ah, d'accord. Ils sont mignons. Ça, pour mettre les effets spéciaux, les AB, ça va être canon. Oui. C'est trop sympa. Hop, j'ai tout. Wesh, il y en a plein la boîte. Wesh. Ouais, en fait, ça. Voilà, bon. Je fais. Il y a cette côte à côte. Tout ça. Encore, mais j'en ai plein la table. Je vous montre. Voilà. Tout ça, c'est de la colle. Alors, on met de côté. On a... Ah, c'est original. Ça fait un peu comme un flacon de parfum, mais plat. Il est rouge. Hop. C'est super, j'adore. J'adore. On a le même que je vous ai montré, mais il est rose, un jaune, on a un bleu, comme celui-là, mais le couvercle est bleu, et là, pareil, oups, il est bleu, c'est super original, pour mettre les tout petits, ça va être canon. Voilà, ben, merci beaucoup, Célia.
je vais en mettre devant. Il y en a un paquet. C'est pas comme si j'en avais pas. J'en ai plein déjà, mais là, j'en aurais d'avance. Puis les pots, là, ils sont trop canons. J'adore. Hop. Merci beaucoup, Seigneur. Voilà. Ça y est, je couche. Ensuite, on a une grande boîte. Alors, à mon avis, ça, c'est une boîte de rangement. Ça, c'est canon. Hop. Ouais. Je suis pas en train d'ouvrir des bons côtés. Là, il y a l'ouverture de la boîte. Ah, on risque pas de casser. Hein. Vu comment il est hyper bien emballé. Donc ça, c'est les bulles. Ah, ça, c'est des boîtes de rangement. Ah, il y a les étiquettes avec ce canon. Hop. Attends. Hop. C'est normal. Alors, on a. C'est des boîtes Tic Tac. Je connaissais pas, je n'ai jamais eu. Donc, on a les étiquettes pour mettre dessus. Et c'est des boîtes, oui. Ça fait bizarre. Les boîtes de Tic Tac. Voilà. C'est mieux pour les mettre comme ça. Donc il y a un paquet, je sais pas combien il y a. Alors par contre, l'ouverture, je crois qu'il est un peu cassé. Il a pris cher un endroit, mais un peu cassé, c'est pas gênant. Oui, oui. Ici, là, il doit être cassé. C'est pas grave, ça marche très bien. Hop. Ah, vous savez, hein, quand vous commandez. Merci, Seigneur. Voilà, ça. Tu fais le dos, toi? Dodo. Fais dodo. Dodo. Voilà. Ensuite. Oh, il est beau. Pêche. C'est un stylet. Avec plusieurs embouts aussi. En forme de poisson. Oh, il est canon. Alors, par contre, je sais pas comment. Ah, d'accord. C'est-à-dire, et comment on met le diamant? Ah, je vous montre. Oh, il est trop beau. En forme de poisson.
multicolores. Waouh, j'adore les couleurs. Trop canon. Et en fait, on enlève, hop, le capuchon et les roses. Canon, regardez. Et on met, donc il y a plusieurs embouts. Alors, par exemple, on a le multifaceur. Je suppose qu'il se met dans le trou. Alors, je sais pas parce que les trous sont fermés. Comment le mettre dedans? Tu me diras, Célia? Mais je peux pas les mettre des embouts, ils sont fermés. Ils sont pleins. En tout cas, de toute façon, moi, je ne cherche jamais des embouts en plus. Mais alors là, waouh. Oh, j'adore. Il est trop canon. Mes couleurs, rose, doré, vert et rose. Du bleu. Waouh, il est énorme. Vachement grand. Merci beaucoup, Célia. Trop canon. Et ensuite, alors, il y en a combien qui ont mis? Tu m'as mis, bah, au départ, on avait prévu 10. 10 produits. Je crois qu'il y en a plus. Hein. Ouais, tu as dû mettre un ou deux de plus. Donc on va ouvrir là. Alors, attends, je vais faire ma place. Hop, faire ma place, sinon je pourrais pas vous les montrer. En tout cas, merci Célia déjà pour ce que tu m'as mis. Et les cadeaux d'anniversaire. Alors, il y avait un pour le 1er décembre. Et je sais pas lequel c'était. Et là, c'est lourd, je sais pas ce que tu m'as mis. Voilà. Et bravo pour le défi. Alors, la toile. J'ai peur d'ouvrir au ciseau parce que la dernière fois, j'ai coupé une toile comme ça. Bon, ça... C'est pas coupé, coupé, hein. J'ai toujours peur. Voilà. Alors. C'est une toile 30-40. Ah ouais, là, je vois ce que c'est. Il n'y a pas de dessin. Ah, si, là. Je ne sais pas si vous allez voir une chose. Donc, c'est une toile. Ça colle nickel. 30-40. Et vous voyez, Halloween. On dirait un, je sais pas, le fantôme, pas une citrouille, avec une robe d'Halloween. Donc, il y a 23 couleurs. Mais trop canon. On a le pain de colle classique. Et je vous ouvre pas le diamant. Après, vous savez, il faut les remettre. Donc, c'est les ronds. Alors, voilà les diamants. Sur le truc, il y aura peut-être mieux. Donc, ça va être dans les marrons, orangé, il y a du gris, du noir, du bleu pâle.
Ouais. Là, vous voyez les couleurs. Les couleurs qu'il y a. On a un jaune aussi, un rouge, une pose bleue. Ma toile. Elle est trop calme. Merci Célia. C'est ma ville. Là, je suis en train d'en faire une. Alors, ça, c'est la première toile. Alors, il faut la remettre devant. Voilà la première. Il est couché, c'est sur ça. Deuxième. Il va pleuvoir. Je sais pas si bien. Un ciel devient tout gris là. Alors, donc le scotch, c'est le scotch de masquage, ça colle bien. Voilà. Donc elle a dit j'ouvre pour vérifier que c'était bien ça. Et elle a remis du scotch. Alors, 30, 40. Oh, j'adore. Excusez-moi, je n'ai pas les feuilles pour l'unité. C'est excellent. C'est une feuille du Noël, je crois. Regardez. On voit mieux la caméra. Ouais, c'est une feuille de Noël. Merry Christmas. Et le toutou, là, car... Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Oh, elle est brillante. Tout ce qui est blanc, c'est la paillette. J'ai un partenaire comme ça, ses toiles sont brillantes comme ça. Alors, c'est une écharpe. Je sais pas s'il y a un peu dans la bouche. Oh là là, elle est trop belle. J'adore. Jamais vu. Donc là, nous avons 21 couleurs. Et on voit les couleurs dans les rouges, les marrons, orangés, il y a un peu de gris, du blanc. Elle est trop belle. Le tout kit de base et les diamants sont belles les couleurs. Elles sont pleines. Donc, quand je dis, je ne sors pas les diamants, parce qu'après, c'est en ribombelle. Donc, il y a la référence. Ouais. Le EA591, c'est la référence de la toile. Et à côté, on a la couleur. Donc, je ne sors pas. Après, j'arrive plus à le remettre. Merci, Célia. Allez. J'espère que le mien te plaira aussi. Ben, j'aurais dû le poster ce matin, sauf que je suis arrivée à ma poste. Imprimante à la poste ne marchait pas, donc elle ne pouvait pas imprimer les suivis pour les colis. Donc j'ai rien pu poster ce matin. Tu fais dodo? Dodo. Un troisième. Mm-hmm.
j'essaye de voir. Alors, c'est une 30-40. Donc, c'est tous les diamants ronds. Il y a 22 couleurs. Je montre. Alors, j'ai un doute, hein. Tu me diras, Célia. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais on dirait Harry Potter. Je ne suis pas sûre. Tu me diras ce que c'est, ça. On dirait Harry Potter. Je suis pas sûre. On dirait le château. C'est un dos, mais on dirait un toile d'Harry Potter. Oh, c'est trop canon, ce serait la première. C'est ça. Alors, c'est les ronds. Ah, dans celui-là, il y a des sachets. Ça dépend chez quelle longueur vous prenez. Donc là, c'est en ribombelle. Là, ils ont été mal attachés. On a le 1-2. Et après, on a 21-22. Donc, c'est pareil. Par contre, les diamants sont plus petits pour certaines couleurs. J'espère que ça n'a pas posé problème pour la pose. Il y en a qui sont petits. En tout cas, on voit les couleurs. On ribombelle comme ça. Pareil, il y a le numéro de la couleur, la référence et l'autre, je ne sais pas. Voilà les couleurs. Bah, tu me diras, Sylvia. J'ai un doute. Merci beaucoup. Et c'est pas fini. Les remettre, par contre, c'est pas évident. Hein, je me fais après. Ensuite, hop, on a celle-ci. Oups, je vais mettre celui-là là. Le cadeau, là, il est de prendre ma place. Voilà. Ah, j'ai tout qui tombe. Alors, celui-là, il est bien emballé. Oh, le morceau. T'as vidé le rouleau, hein, dessus. Alors, là, on a une 30-40. Alors, je cherche où est l'ouverture.
là, c'est une toile avec protection transparente. Ouais, super jolie. Elle est belle. Donc là, on a 20 couleurs. Un paysage magnifique avec le phare. Elle est trop canon. J'adore. Donc pareil, là, c'est paysage comme là. Et vous voyez, c'est des trucs transparents. Elle est trop, trop belle. Ça colle bien, il n'y a pas de souci. Le toolkit de base. Et les diamants. Donc, c'est que les diamants. Donc, c'est les couleurs que je vais vous montrer. Donc, là, on a SZ. Ouais, c'est la référence de la toile. Et numéro de la couleur. Marron plaisir 310. Alors les couleurs, elle est trop belle. J'adore. Merci Célia. Hop. On le fait après. Ensuite, nous avons là, ça doit être aussi une toile transparente. Ah, le papier transparent. Elle est un peu, elle est brillante là aussi. Je connais bien mes goûts, hein, c'est bien. Alors là, une 30-40, panoramique. Non, debout, je sais plus comment on dit. Regardez-moi ça. Paris. Elle est trop belle. Waouh, elle est trop belle. Donc il y a 19 couleurs. Mon couleur tout de suite. Voilà ce que ça donne. Elle est trop belle. Le tout kit de base. Les sachets. Donc là c'est beaucoup de. Pareil, là, il y a une numéro de la couleur et la référence de la toile. Mais il y a beaucoup de gris, parce que c'est. Elle est pailletée aussi. On est là quand il y a des couleurs claires, elles sont pailletées. Je ne sais pas ce qu'elle en a pas fait, mais moi, j'ai un partenariat où les toiles sont pailletées aussi. Merci beaucoup. J'adore. Merci Célia. Hop. Voilà. Ensuite. Coach.
Non, par contre, non. Leur colle, je vois même pas. Ouais. Merde, la mouche. Alors. Ah là, il y a un thème. Le thème, c'est beauté. 30-40. Trop canon. Regardez ça. On a l'ours blanc avec une fée, je dirais. Ouais, une fée. Elle est trop belle. Waouh. Donc là, on a 26 couleurs. On voit le dessin. 26 couleurs. Waouh. J'adore. Les toutes. Ah, là, par contre, c'est les sachets. C'est pas comme spazipé. Ça dépend des vendeurs, en fait. Et là, il y a beaucoup de gris, de bleu. Il y a du noir. Non. Il y aurait du noir. Ton. Il y a pas, ouais, mais il n'y a pas eu 310. Il va être super sympa. Merci beaucoup, Seigneur. L'ours, il est calme. Wow. Premier soir que je fais en DP, il a trop calme. Alors, voici mes. Voilà. Il en reste deux. Non, une. Enfin, je peux monter. Wow, tu vois, il y a l'air un peu gros. Une dernière toile. Voilà, il faut que waouh, il a l'air énorme, celle-là. Bon. Déjà. Il y a 25 couleurs. Alors, attendez. Oups. Il est déjà venu. Oh, génial. Ah ouais. Voilà, il fallait une Disney. Elle est énorme. Alors celle-là, c'est une 60-40 panoramique. Il y a, je l'ai dit, 25 heures. Il y a mon copain. J'espère juste que les diamants, ils ont mis les bons. Waouh. Oh, canon. J'adore, j'adore. Ah, il y a Donald, Minnie, Mickey, Daisy, plutôt, et... Annabelle. Et Daisy, elle. Il n'y a pas Dingo. Bizarre qu'il n'y ait pas mis Dingo.
3. Alors là, ils ont mis 2 stylets. Alors, un tout petit pain de colle, mais il y a quand même 2 stylets et 2 sachets. Et les couleurs. Ça va, c'est la bonne couleur pour plutôt. Il y a ceux-là, ceux-là, plutôt ceux-là. C'est jaune ou tarte en fait, c'est pas orange. Donc c'est tour des ronds. Alors, il y a un paquet de. Donc il y a des couleurs, il doit y avoir plusieurs sachets parce que, regardez l'épaisseur, c'est assez épais. Alors, le numéro de la couleur et le numéro de la référence de la toile. On voit mieux. Il y a un paquet. En tout cas, merci, Célia. Parce que là, on se prend. Hop. Ça colle nickel. Et trop canon. Un pour finir en beauté, ça c'est clair. Merci beaucoup, Célia. J'espère que bien te plaira. Hop, attends. C'est moi, on voulait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Célia. Parce que là, waouh. Alors moi, je peux le remettre direct. Mon chien, j'en ai jamais l'air. Je vais remettre direct là. De toute façon, après, moi, je les mets tous dans les pochettes à distancer, les grands trucs. Comme ça, elles sont à plat. Voilà, ben je pense qu'on a tout fini. Je vérifie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi, Célia. Et ben, j'espère que rien te plaira. J'espère que demain je pourrai te poster. Tout dépend quand le technicien va venir réparer l'imprimante. J'appellerai avant pour voir. Que je ne dépasse pas pour rien. En tout cas, merci beaucoup. Et bravo pour ce colis de dingue. Et tu me diras par contre lequel était normalement ouvert le 1er décembre. Et comme il n'y a pas d'indication, ben je sais pas. Et bravo pour ton jeu de cette famille. Bravo, j'adore. Merci beaucoup à toi pour tous ces petits plus. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Merci Célia.